Hey YouTube, WhatsApp, tu as reconnu la voix, c'est votre serviteur. Bienvenue dans les tutos du coiffeur Bantou. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment réaliser un tape rapide et facile. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater l'une de nos prochaines vidéos. Pour commencer, on va d'abord commencer par baisser la masse des cheveux sur toute la tête avec notre sabot 4,5 mm. On va baisser la masse des cheveux sur toute la tête. Comme vous pouvez le constater. Et on va commencer par tracer les lignes de base de côté, derrière, pour commencer à tracer notre taper. Donc on trace nos lignes de base de côté et derrière, sur lesquelles on va se baser pour créer notre taper. Par la suite, on va commencer à faire nos dégradés avec notre sabot 4,5 mm levier totalement fermé. On commence à dégrader. Toujours brosser comme vous coupez. Comme je vous dis toujours, vous brossez comme vous coupez ou bien vous peignez comme vous coupez. Par la suite, on va prendre le sabot 3,5 mm levier totalement ouvert premièrement. On dégrade en utilisant beaucoup les coins pour ne pas déborder la ligne. Puis par la suite, on va fermer le levier et continuer le dégradement pour bien créer notre taper. Un peu léger dégradé de côté, comme vous pouvez le constater. Toujours peigner et brosser comme vous coupez. Par la suite, on va prendre notre sabot 1,5 mm. Au départ, le levier totalement ouvert. Par la suite, nous allons fermer le levier en utilisant toujours les coins de nos cotondeuses. Toujours, par la suite, on va fermer comme vous voyez. En utilisant toujours les coins, il faut toujours utiliser les coins puisque l'espace de réalisation de notre dégradé est très restreint. Donc, on fait le dégradement avec beaucoup de précision et en utilisant beaucoup les coins de nos cotondeuses, comme vous pouvez l'apercevoir, pour avoir un bon résultat final. Et on va venir passer avec nos cotondeuses sans sabot levier totalement ouvert. Toujours les coins de la tondeuse, comme je vous dis. Regardez vous-même les coins. Et par la suite, on va passer dans le même sens que les cheveux. Et on va revenir fermer notre levier totalement. Pour toujours continuer à sortir notre dégradé de côté. Toujours utiliser les coins de vos cotondeuses. Comme vous me voyez faire, appliquer. Là où vous n'avez pas compris, posez-nous des questions et laissez-nous des likes et laissez des commentaires. Ça permet de bien référencer notre chaîne. Donc, on ne paye pas pour un commentaire ou bien pour liker les gars, la famille. Et la culture de liker quand c'est bon. Vous pouvez aussi nous suivre sur TikTok, vous n'allez pas être déçu. On vous propose de bonnes choses. Vous pouvez nous suivre sur TikTok, le coiffeur Bantou, sur TikTok. N'hésitez pas. On continue toujours avec nos cotondeuses sans sabot levier. On commence à jouer avec le levier. On ouvre, on ferme à moitié, on ferme totalement. Pour bien créer notre dégradé. Et on vient finir avec nos cotondeuses de contour.
pour effacer tout le dernier petit trait qui était encore visible, comme vous pouvez le constater. Et maintenant, par derrière, on va toujours commencer par notre sabot 4,5 mm, levier totalement fermé. On coupe les cheveux dans le sens contraire et on va passer dans le même sens pour essayer de mettre les cheveux au même niveau. Parce que c'est avec ce sabot que nous avons commencé. Par la suite, on va prendre notre sabot 3 mm, levier au départ ouvert. Et par la suite, nous allons fermer. Toujours pour créer notre dégradé arrière, notre back taper. Grossir comme vous coupez ou bien peigner comme vous coupez pour bien voir la direction et le sens des cheveux. Et on va enlever le sabot, prendre notre tondeuse en sabot levier ouvert. Par la suite, on va fermer à moitié et après on va fermer totalement pour toujours continuer à créer notre dégradé. On ferme légèrement à moitié, puis on va fermer totalement. Et on reprend maintenant notre sabot 1,5 mm. On ouvre, après on va fermer. Toujours dans le but de créer notre dégradé. Et maîtriser surtout les gestes de votre main pour ne pas monter très haut. Pour en créer d'autres lignes alors que vous effacez une autre. Si vous appliquez nos conseils, nos astuces, nos techniques, vous allez réussir toutes vos coupes. Donc, essayez d'appliquer, ne regardez pas seulement pour de nouveaux coiffeurs qui veulent apprendre. Regardez la vidéo et appliquez chez vous et venez nous dire en commentaire le résultat. Et on va finir avec nos tondeuses de contour pour effacer le petit trait visible. Et on va refaire un dernier passage avec notre jet de levier. On ouvre, on ferme à moitié, on ferme totalement. Comme vous voyez, on commence à jouer avec notre levier pour rendre encore notre coiffure plus propre. Et les gars, nous sommes presque à la fin de notre tape, comme vous pouvez le voir. Notre dégradé, notre tape est presque fini. Nous sommes en train de faire les dernières petites touches de la barbe, comme vous pouvez le voir. Si vous avez aimé notre petite coupe, la famille, notre petite vidéo du jour, n'hésitez pas, laissez-nous un petit pouce bleu, activez la cloche de notification pour ne pas rater l'une de nos prochaines vidéos. Beaucoup de choses arrivent et vous dites toujours beaucoup de choses arrivent. On réfléchit comment vous faire plaisir, comment vous apporter de nouvelles techniques de toutes vos différentes coupes. Suivez-moi, le coiffeur Bantou. Et vous n'allez pas regretter, ce n'est que le début. Et beaucoup de choses arrivent. Vous ne croyez pas. Ok, regardez vous-même. Le client est fier jusqu'à lui-même. Il a encore des snaps pendant qu'on le coiffe. Voilà. On, avec nos cotondés sans sabot, levier totalement fermé, on coupe tous les petits bouts de cheveux qui débordent. Nous sommes en train de faire les finitions de notre tape. En tout cas, vous pouvez déjà voir que le tape est déjà parfait. Donc,
beaucoup de likes sur cette vidéo, les gars. Beaucoup de likes. Ça ne coûte rien. Suivez-nous sur TikTok. Vous n'allez pas être déçus. On vous propose d'autres choses pour toujours vous entretenir. Et on refait un dernier passage pour les contours, ou bien soigner les contours pour rendre encore nos finitions encore plus fines, jolies à voir. Donc prenez bien le temps de faire vos finitions, parce que c'est l'étape primordiale. Une coiffure avec de mauvais contours, c'est pas du tout ça. Donc soyez très méticuleux. Et les modèles, voilà une nouvelle vidéo pour vous, pour vous enjailler. Donc gérer, abonnez-vous pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés. Likez la vidéo, partagez la vidéo pour que d'autres personnes, d'autres coiffeurs, d'autres barbes puissent voir cette magnifique vidéo, ce magnifique tape. Ouais, on me suffit.